Bonsoir, on ouvre cette édition sur la 9e réunion du Conseil d'orientation stratégique de l'Agence du partenariat pour le progrès sous la présidence du chef de gouvernement Abbas Fassi. Cette agence œuvre à l'exécution du programme Défi millénaire ou Millennium Challenge. Mohamed Elchkar. Un premier bilan d'étape de ce programme maroco-américain. Arboriculture fruitière d'abord, plus de 425 hectares d'oliviers plantés, soit plus de 5 millions d'arbres, et 200 km de séguia ou infrastructures d'irrigation aménagées. Pêche artisanale ensuite, 14 sites en projet de construction, un point de débarquement déjà aménagé à Tifnit, et les infrastructures sont en aménagement dans le port de Tantane et au marché au gros de poissons de Beni Mellal. Troisième pôle d'activité, l'artisanat. Nous sommes sur le point de lancer la construction de 27 sites dans la zone industrielle de Aïn Qbi pour les dinandiers, mais aussi nous sommes en fort encouragement avec nos partenaires pour inciter les artisans à abandonner les fours traditionnels que nous connaissons tous comme étant pollueurs et nocifs pour la santé pour se diriger plutôt vers des fours à gaz. Enfin, un quatrième pôle d'intervention de l'Agence du partenariat pour le progrès, l'alphabétisation fonctionnelle. 37 000 bénéficiaires, hommes et femmes, surtout parmi les familles des pêcheurs, des agriculteurs et des artisans.